Il y a des années, j'ai aimé une jeune femme que j'allais épouser. Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès. Si Dantès nous a trahis, alors qu'il est le sort des traîtres. Je suis innocent ! J'ai rien fait, je suis innocent ! Il vivra. Et pour tout le monde, il sera mort. Moi, je te porte le plus grand trésor que la Terre ait jamais porté. Et je sais où se trouve le trésor. Mais que feras-tu de cette fortune? Feras-tu le bien ou laisseras-tu ton cœur s'emplir de haine? À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Nous prendrons tout le temps qu'il faut pour être prêts. Prêt à faire quoi? À se venger. Chérie, je te présente enfin le comte de Monte Cristo. Albert, que sais-tu de cet homme? Je me méfie de tout le monde en général et les étrangers en particulier. Je saurai qui est ce monsieur Monte Cristo. D'où il vient? Où il va? Vous n'avez donc aucune entrée? Et eux, l'ont-ils eu pour Edmond Dantès? Vous aussi, vous êtes prêt à me sacrifier pour votre vengeance? Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie.